Salut les moteurs poteaux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui on va pas parler de gameplay, etc. Mais on va quand même parler de Gran Turismo 7 et chose totalement inhabituelle, je crois que c'est la première fois d'ailleurs. Ouais, il me semble. Eh bien, je vais organiser un petit concours. Et pour ce petit concours, je vais déjà vous annoncer le prix. Et non, même pas, je vais même pas vous annoncer le prix. Je vais vous demander déjà de vous abonner. Et ouais, on va faire le forcing. Abonnez-vous, activez la cloche, le petit like de l'amour qui va bien. Et n'hésitez pas, bien entendu, à réagir à cette vidéo en commentaire. Alors, donc, déjà, le truc qui va intéresser tout le monde, bien entendu, c'est qu'est-ce qu'il y a à gagner? Eh bien, il y a à gagner une carte cadeau. Une carte cadeau de 20 euros sur le site Instant Gaming. Alors, comme ça, tout le monde est servi. C'est-à-dire que une carte cadeau Instant Gaming, vous pouvez la dépenser aussi bien pour du jeu PC que pour du jeu PlayStation, pour une carte cadeau PlayStation, c'est-à-dire que vous pouvez acheter une carte cadeau PlayStation de 20 euros avec une carte Instant Gaming de 20 euros. Idem pour du Xbox Game Pass ou du Nintendo. Bref. Vous, avec une carte cadeau Instant Gaming, vous pouvez acheter des jeux vidéo pour la console ou pour la plateforme que vous voulez. Wow, c'est brouillon, Seb! Oh, il n'est pas réveillé. Bon, alors, donc voilà. 20 balles pour vous payer les jeux que vous voulez, ou même ça peut être un mois de Xbox Game Pass ou de PSN, presque, enfin même 3 mois de PSN quasiment, puisque c'est 24,99€ les 3 mois de PSN, enfin de PS Plus, pardon. Bref, voilà, avec ces 20 balles, vous payez ce que vous voulez. Alors, bon, ça c'est pour ce qu'il y a à gagner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? La moindre des choses, c'est d'être abonné. Alors, je ne vais pas refaire le forcing tout de suite, on va attendre la fin de la vidéo. Ensuite, mettez-moi un petit commentaire sur cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker, bien entendu. Hein. Autant faire en sorte que la vidéo marche. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous ouvrez votre Gran Turismo préféré. De préférence, le 7. Mais si c'est le sport, je prends aussi. Et donc, vous allez me faire une belle photo. La plus belle photo que vous puissiez faire. Il n'y a pas de thème particulier pour cette édition-là. C'est le premier concours. Si ça marche bien, il y en aura d'autres. Si ça marche bien, il y en aura d'autres. Mais donc, pour ce premier concours, il n'y a pas de thème pour cette photo. Sortez-moi juste votre plus belle photo. Alors par contre, attention, qu'on soit bien d'accord. C'est une photo dont vous êtes l'auteur. Hein, c'est pas une photo que vous allez me piocher sur le jeu. Ça, je le verrai. Hein, n'essayez pas de gruger, parce que si je sélectionne une photo et que je fais une recherche d'antériorité et que je m'aperçois que la photo, elle a été pompée, je peux vous dire que l'auteur, il sera banni de tous mes concours. Donc, ne grugez pas. Jouez le jeu, s'il vous plaît. Et donc, voilà, vous faites une photo. Alors, vous avez droit aux effets, vous avez droit tout ce qui est possible de faire dans le mode photo de Gran Turismo 7 ou de Gran Turismo Sport. Eh bien, vous pouvez l'utiliser. De préférence, si vous avez une livrée à vous-même, c'est encore mieux, hein, pourquoi pas. Alors, donc, une fois que vous avez fait cette photo, eh bien, vous me l'envoyez sur le Discord de la chaîne. Donc, vous avez le lien en description. Je vais créer une section spéciale pour le concours photo. Donc, vous postez votre photo et uniquement votre photo sur le Discord du jeu. Alors, à tous ceux qui me diront « j'ai pas Discord », eh ben, tu télécharges l'application. C'est quand même pas compliqué, hein. « J'ai pas Discord », tu télécharges l'application. Fastoche. Pour ceux qui ne savent pas comment récupérer les photos, eh bien, il vous suffit de les partager en jeu et de les récupérer ensuite sur le site officiel de Gran Turismo. Vous allez sur votre page Gran Turismo Sport ou sur votre page Gran Turismo 7
et vous avez donc votre photo qui sera là, et vous pourrez faire un clic droit sur la photo, enregistrer, et ensuite me la balancer sur Discord. Dans tous les cas, n'hésitez pas à venir poser la question sur Discord, je vous réexpliquerai ça plus en détail. Voilà, donc, vous m'envoyez votre photo, et donc ensuite, ce sont les internautes, les viewers, qui vont voter pour vos photos, pour leurs photos préférées. Hein, donc c'est tout simple, hein, y a une petite réaction à avoir, donc vous mettez une petite coche verte, voilà, et la photo qui va remporter le plus de coches vertes, eh bien c'est elle qui va gagner tout simplement le prix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine, donc on est jeudi, vous avez donc jusqu'à la semaine prochaine, donc jeudi prochain, on sera le... Alors attends, je prends mon petit calendrier, jeudi prochain, on sera le 24, ce sera d'ailleurs sans doute le jour de la mise à jour, de la prochaine mise à jour Gran Turismo. Donc vous avez jusqu'au jeudi 24, midi, pour envoyer votre photo. Ok ? Donc tout ça, vous l'avez... Non, juste là. Hein, c'est écrit juste là. Hein. Donc, envoyez votre photo. Vous avez jusqu'au jeudi 24 midi. Ensuite, il y aura un délai d'une semaine supplémentaire pour que les joueurs peuvent voter. Apprends à parler, Seb. Une semaine pour que les joueurs puissent voter. A noter que vous pouvez voter pour plusieurs photos. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Vous pouvez voter pour plusieurs photos. Et donc... À l'issue de cette semaine, donc, on sera le 1er décembre, jeudi 1er décembre à midi, eh bien, on regardera qui a le plus de petites coches vertes sur sa photo, et je ferai donc une vidéo à ce moment-là pour annoncer le gagnant, donc pour rappel, 20 balles sur Instant Gaming. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Vous abonnez, postez un petit commentaire, vous envoyez votre photo. C'est tout simple. Voilà, donc j'espère que ce concours va plaire, et si jamais ça plaît, eh bien, j'en organiserai un régulièrement, peut-être tous les mois, peut-être tous les deux mois, je sais pas, on verra bien. Et peut-être que les prochains seront à thème. Voilà, par exemple, uniquement des photos de Supra, ou uniquement des photos en montagne, etc., etc., etc. Voilà, donc pour cette première édition, c'est open bar, vous faites la photo que vous voulez. Par contre, on est bien d'accord, c'est une photo issue de Gran Turismo Sport ou Gran Turismo 7. Éventuellement, j'étudierai les propositions d'amélioration du concours. N'hésitez pas à me les donner en commentaire, hein, bien entendu, également. Si vous avez des idées pour le concours ou si vous voulez étendre ça au mode photo des autres jeux... Alors ça pourrait se faire, mais pour une première édition, on va rester uniquement sur Gran Turismo. Mais j'étudie quand même la possibilité d'utiliser les modes photo de tous les jeux possibles. A noter que les retouches photo sur Photoshop sont interdites. Donc toutes les retouches photo sont interdites. Et ça, il y a des logiciels qui permettent de voir si une photo a été retouchée, si une photo n'est plus d'origine. Donc, là aussi, ne trichez pas. Pas de post-production, pas de post-traitement de votre photo. Ça doit être la photo brute du jeu. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc ça aussi, je le verrai. Voilà donc, les amis, pour ce qui est de ce petit concours. J'espère que ça vous plaira et que vous serez nombreux à participer. N'oubliez pas, une nouvelle fois, là, de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route, et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo !